Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des galettes de légumes avec leur sauce épicée. Et donc on commence tout de suite en préparant une petite patate douce qui représente à peu près 150 grammes. Alors pour rappel, la patate douce est un tubercule. Il faut mieux choisir les patates douces de couleur orangée, elles sont un peu plus sucrées. Et puis grâce aux bêta-carotènes qu'elles contiennent, elles permettent de nous donner bonne mine. Et ça, c'est comme les carottes, donc on va aussi utiliser une carotte. Et vous faites cuire ces deux légumes pendant environ 20 minutes dans de l'eau bouillante ou à la vapeur si vous préférez. Vous allez également préparer l'œuf de quia, donc deux œufs de quia. Moi j'utilise des graines de quia en poudre, donc j'ai utilisé 2 cuillères à soupe de ce produit et j'ai ajouté environ 8 cuillères à soupe d'eau. On mélange, on laisse grâce à la poudre finalement reposer très très peu. On va trouver la texture un peu proche de l'œuf, un peu gélatineuse comme l'œuf. Ensuite, dans le bol d'un mixeur, vous allez ajouter 4 à 5 feuilles de chou kale que vous allez vraiment, pour lesquelles vous allez enlever la nervure centrale et donc ne garder que la partie tendre. À ça, on va ajouter un demi-oignon rouge coupé en morceaux assez grossiers. Une cuillère à café de gingembre râpé, fraîchement râpé idéalement. Et 100 g de quinoa déjà cuit. Donc attention, hein, le quinoa triple à peu près de taille par rapport au sans-pois cru. Ensuite, on ajoute l'œuf de quia. Et ensuite, on ajoute les légumes cuits, donc les patates douces et les carottes. 45 g de flocons d'avoine, un peu d'arrowroot, qu'on peut remplacer par de la fécule de maïs ou de pommes de terre. Et ensuite, on ajoute les épices, donc une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de paprika. Vous pouvez également saler et poivrer à ce moment-là, moi j'ai oublié, je l'ai fait ensuite. Et puis vous mixez le tout avec votre robot. Une fois que le mélange est bien homogène, vous allez pouvoir faire chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Une fois que l'huile d'olive est bien chaude et à l'aide d'une cuillère à glace par exemple, vous allez pouvoir fabriquer des boulettes de taille homogène et les placer directement dans l'huile bien chaude pour faire frire les boulettes. Donc n'hésitez pas aussi à appuyer un peu dessus pour finalement les aplatir un peu. Et vous les faites frire environ 4 à 5 minutes de chaque côté. Donc une fois qu'elles sont bien dorées, vous pouvez les retourner et faire frire du deuxième côté. Donc pour accompagner ces galettes, moi je vous propose une sauce un peu piquante à base de sriracha. Donc on va commencer par râper encore un peu de gingembre, environ 1 cm de gingembre frais. Ensuite, vous allez ajouter 3 cuillères à soupe de yaourt végétal nature. Donc personnellement j'utilise un yaourt de soja. Vous pouvez également ajouter le jus d'un demi-citron et du sel et du poivre. Donc pour le côté piquant, on va ajouter le sriracha. Donc là franchement c'est à votre goût, hein. Vous pouvez allez-y vraiment petit à petit et puis si ça vous semble trop peu épicé, n'hésitez pas à en ajouter, mais voilà, de façon crescendo. Et voilà, donc vous avez de bonnes galettes de légumes, composées donc de céréales et de légumes, donc c'est parfait au niveau de l'équilibre, et puis la petite sauce qui l'accompagne, donc moi j'aime bien servir ça avec une salade, et j'en mange plusieurs et ça me cale bien finalement, ça me sert de repas. Vous retrouverez le détail de la recette sur le blog attirelarigot.fr/recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube ou à la page Facebook pour être notifié des nouvelles vidéos. Et puis je vous donne également rendez-vous sur Instagram sous l'identifiant attirelarigot pour suivre d'autres idées de recettes au quotidien. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser. Je vous remercie et à bientôt !